Bien. Ben, je vais voir si je suis en direct. Bonjour tout le monde. Je pense que je suis ici en direct. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais montrer ce matin un exercice qui vient d'une, ce que j'appelle la pratique magique que nous faisons au sein du cours Chandra Danse ta vie. C'est une pratique magique. Une fois par semaine, nous nous mettons ensemble 15 minutes et je donne donc une pratique. Et aujourd'hui, je voudrais te partager ça avec toi et en résumer ce qu'est cet exercice que nous avons vu aujourd'hui. C'est un exercice que moi, personnellement, je fais tous les matins et que je recommande vivement. C'est un exercice où on va se connecter, on va se mettre dans une position bien spécifique, on va respirer pour se connecter, on va se mettre en face d'un arbre, si c'est possible, dans la nature, les pieds nus, pour s'ancrer, se connecter à cette énergie de l'arbre. Si on ne peut pas le faire dans la nature, alors on va le faire dans l'imaginaire. Bien respirer, et puis on va parcourir les différentes parties de notre corps et à haute voix le remercier. Donc ça va comme ça, on ne va pas le faire ici ensemble, mais je te donne la pratique. Tu peux mettre une chouette musique et faire cet exercice. Ça peut te prendre 5 minutes, ça peut te prendre 1 minute, mais si tu commences tes journées avec cet exercice, à ce moment-là, tu changes complètement le vécu dès le départ de ta journée. Ok, alors, ça va comme ça. On va se mettre ici dans cette position, bien ancrée, on aligne la colonne vertébrale et on s'imagine, ou en réalité, on est avec un arbre et on va se connecter à cet arbre et dire, je suis comme toi, j'ai des racines profondément dans la terre-mère, je prends mon énergie de la terre-mère, j'aligne ma colonne vertébrale qui est aussi mon antenne. Et je vais d'abord respirer. Donc, je vais inspirer, bloquer et expirer. Je fais ça 3 fois. Comme ça, je rentre dans un état de conscience un peu différent. Puis, je vais commencer avec les parties de mon corps. Et je vais dire à haute voix, je remercie mes cheveux. Merci pour mes cheveux. Je remercie mes yeux. Merci pour mes yeux. Et tu peux parcourir les différentes parties de ton corps comme de haut en bas, comme ça vient. Ce que je te recommande à faire en plus, donc comme j'ai déjà dit, mettre une musique et aussi dire ce que cette partie de ton corps fait pour toi. Par exemple, je remercie mes yeux, donc tu touches tes yeux. Je remercie mes yeux de voir la beauté du monde. Merci pour mes yeux. Donc tu as deux niveaux de gratitude. Un, c'est à tes parties du corps qui te permettent d'expérimenter la vie. Et évidemment aussi, merci à celui, celle ou l'énergie qui t'a donné ce corps et cette vie. Moi, typiquement, je vais finir à remercier aussi mon souffle et remercier mon esprit. Donc, je me réjouis de pouvoir partager cet exercice avec toi et mets-moi dans les commentaires si tu le fais, qu'est-ce que ça change pour toi? Je recommande de le faire, mais vraiment tous les jours pour pouvoir vraiment expérimenter en conscience. Déjà, cet exercice lui-même, parfois, il donne vraiment des frissons. Donc, quand tu regardes les parties de ton corps que tu remercies et dis ce qu'ils font pour toi et touche-les. Et de cette manière-là, tu as activé à tellement de niveaux cette pratique de gratitude qu'elle va avoir, ça va doubler, tripler l'impact de cet exercice qui est magnifique. J'espère que tu aimes cet exercice et que tu me mets un commentaire et qu'on puisse avoir un échange autour de cette pratique. Si tu veux rejoindre le cours Chandra Danse ta vie, il reste encore 2 cours, plus tous les replays de cette saison-ci jusqu'à l'année dernière au mois d'avril. J'ai mis un lien, tu peux encore t'inscrire à un prix complètement réduit parce que voilà, le cycle pour le moment s'arrête dans
qu'est-ce que c'est le 5 octobre. Merci pour ton attention. À très bientôt. Bye bye.